Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sophie, je suis créatrice de meubles en carton. Et si vous ne l'avez déjà pas fait, si vous êtes nouveau dans cette vidéo, sachez que je vous offre la possibilité de télécharger ce livre. Le lien est en barre d'infos, vous cliquez dessus, vous recevrez votre livre offert en format PDF. Il y a environ 140 pages dedans. Donc là, aujourd'hui en fait, ce dont je vais vous parler, c'est des différentes formules que je propose dans ma formation Le meuble en carton du paresseux. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais au départ porté le tarif à 97 euros. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai mon entreprise et voilà, je me destine à gagner ma vie. Mais par contre, je me suis aussi souvenue de pourquoi j'avais commencé à faire des meubles en carton. Et je me suis souvenue aussi de ce qui était proposé à l'époque et de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et pour moi, c'est important de pouvoir rester proche des gens. Et pas forcément penser qu'à l'argent et voilà. Pouvoir permettre à un maximum de gens de bénéficier de mon savoir-faire que j'ai accumulé pendant ces temps au travers des stages, des festivals, de toutes les créations que j'ai pu faire. Donc c'est pour ça que j'ai baissé un petit peu la base, le tarif de base à 67 euros. Et en même temps, j'ai rajouté d'autres fonctionnalités. Alors il y en a trois en fait, en gros il y a basique, plus et intensif. Parce que en fait je m'aperçois que parfois pour les gens c'est difficile de travailler tout seul, d'être vraiment seul, si on a fait une bêtise, on sait pas quoi faire, on sait pas à qui demander. Voilà, j'ai connu ça, donc voilà. Donc en fait, si vous voulez, il y a trois formules. Donc basique, voilà, vous avez les 17 formations qui sont vraiment condensées de tout ce que vous pouvez faire comme meuble en carton si vous emménagez dans un logement vide. Après, vous avez la formule plus. Donc ça va être un accompagnement d'environ 4 séances. Ça peut déborder un peu. Je suis pas 20 minutes près non plus. En fait, là-dedans, je vais vous expliquer. Vous aurez les 17 vidéos de la formation et on pourra se donner 4 rendez-vous dans lesquels vous aurez la possibilité de me poser toutes les questions, parce que je sais que quand on démarre quelque chose, on ne sait pas. Des fois, on va buter sur quelque chose et on perd à ce moment-là beaucoup de temps parce que on est obligé de réfléchir, on ne sait pas machin. Donc là, pas de panique, à ce moment-là, vous pourrez préparer toutes vos questions et me demander pendant ces rendez-vous téléphoniques-là. Ce sera vraiment fait pour ça. Je répondrai à vos questions pendant ces moments-là. Et après, il y a encore une formule intensif. Donc en fait, là, c'est un suivi vraiment personnalisé. Maintenant, si vous rentrez dans un nouveau logement, vous voulez faire tout en carton, parce que voilà, vous êtes étudiant, c'est votre premier appart et voilà tout ça, et vous voulez faire vos meubles profiter de l'été ou d'une autre saison pour réaliser tous les meubles de votre appartement en carton. Et bien là, ça va être vraiment un suivi tous les semaines. Tous les semaines, on va pouvoir se caler des rendez-vous téléphoniques ou par Skype. Il y a plein d'applications qui le permettent aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, tous les semaines, je regarderai ce que vous avez fait, je vous donnerai des conseils, etc. Et ça va vous accélérer, si vous voulez. Par exemple, moi, je vais vous dire honnêtement, tout ce qui est informatique, référencement web et tout ça, je vous avoue, franchement, je galère un peu.
Mais par contre, pendant 3 ou 4 mois, je me suis pris les services d'un consultant. Et c'est vrai que ça a vraiment accéléré mon cheminement. Parce que voilà, j'avais quelqu'un derrière, quand on sait qu'on a rendez-vous avec quelqu'un, on n'a pas fait notre travail, on culpabilise un peu, voilà. Donc voilà, tout ça, le fait d'avoir un petit jeune qui s'y connaît bien, tout ce qui est internet et tout ça, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et voilà, donc c'est pour ça que je propose cette formule-là qui coûte 197 euros. Donc là, ça va vous permettre vraiment d'avoir une évaluation tous les semaines, savoir comment avancer plus vite et mieux, faire des meubles propres qui tiendront debout et tout ça. Donc voilà, donc après je vais aussi vous parler de ma conception, parce que c'est vrai que pour ma part j'ai longtemps mûri mon projet, parce que moi j'ai eu des petits soucis dans ma vie personnelle, et si vous voulez pendant ce temps là ce que j'ai dit plutôt que de rester à rien faire à me focaliser sur mes problèmes, pendant longtemps j'ai posté, j'ai créé ma chaîne YouTube, et du coup ça m'a permis aussi de sortir la tête de l'eau et d'interagir avec des gens, et puis de savoir aussi que j'apportais des choses aux gens, même si j'étais dans une situation très compliquée au niveau personnel, ça m'a aidé. Et petit à petit j'ai lancé mon entreprise, hein. Ça fait quelques mois là que je vous en parle beaucoup sur Facebook. Et en fait, si vous voulez, j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui soit conforme à mes valeurs. C'est vrai que souvent quand je suis à l'extérieur, j'ai des gens qui me demandent pour des anniversaires, faire des stages, aller voir les boutiques et tout ça. Et en fait, si vous voulez, moi je voulais rester cohérente avec moi-même. Si vous voulez, c'était important pour moi que je puisse faire quelque chose qui soit efficace et qui ait une forte valeur ajoutée pour mes clients. Et tout ça, tarif qui soit, certes on est d'accord, c'est pas gratuit, mais que ce soit accessible malgré tout, un maximum de gens. Et donc c'est pour ça que j'ai longtemps réfléchi à comment réussir à faire une entreprise, moi, qui pourra durer dans le temps, et en même temps que je puisse vous apporter un maximum de valeur à vous, derrière l'écran, si vous achetez mes formations. Et c'est pour ça que j'ai longtemps cherché un moyen de gagner ma vie. C'est pour ça que je suis sur la plateforme System.io de Julia Macquart, parce qu'en fait, elle me permet énormément de fonctionnalités. Et ça m'offre aussi énormément de liberté. Et du coup, Et du coup, en fait, ça me permet. Parce que, si vous voulez, le problème en France, c'est que quand on est une entreprise, il y a un moment où on est un petit peu à cran, parce que souvent les frais fixes, ils sont très élevés, parce qu'on a un local, on a des assurances, on a des employés, et il y a plein de trucs à payer, on sait pas toujours trop comment gérer tout ça. Et du coup, en fait, moi, le fait de travailler à domicile, ça me permet de pas être forcément à cran, parce que j'ai des objectifs, Donc du coup, en fait, il y a une partie qui est, fixe, hein, parce que vous avez la formation. Et puis, y a le temps que je pourrais me permettre de passer avec vous, où je me dirais pas, faut que je sois à telle heure, on aura le temps de parler,
voilà, comme je vous le dis, je suis pas à 20 minutes près. Voilà, donc en fait, si vous voulez, moi comme je travaille depuis chez moi, j'ai pas, voilà, j'ai pas tout un tas de frais. Et voilà, donc moi c'était, disons, dans mes valeurs, c'était de pouvoir accorder un maximum de valeur à mes clients. Et aussi, moi, de prendre plaisir à ce que je fais. Parce que c'est vrai que travailler comme artiste, à partir du moment où on se professionnalise, eh bien, il y a la notion de, d'entrepreneuriat, hein, la notion de tous ces contraintes, hein, le comptable, rentrer de l'argent, etc. Et c'est vrai que travailler quand on est artiste et qu'on doit vendre, le problème c'est que au bout d'un moment on s'épuise un peu dans notre travail et on y perd un peu de plaisir parce qu'on est tellement enseveli par nos contraintes que finalement on n'est plus vraiment à fond avec notre client. Et moi ça je voulais pas, c'est pour ça que j'ai vraiment cherché à trouver un moyen de monter mon entreprise. Et en même temps, de pouvoir m'occuper des gens, de pouvoir répondre à leurs emails, même s'ils ne sont pas forcément clients de ma formation et tout ça. Et de pouvoir aider des gens, parfois même s'ils n'ont pas forcément des gros moyens. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je fais cette vidéo, j'avais pas prévu du tout de la faire, c'est vraiment venu comme ça du fond du cœur. J'ai écrit 2-3 mots sur un bout de papier. Si vous voulez en parler avec moi dans les commentaires ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.